Bienvenue, ici War Survivor Crazy Guys qui s'adresse à tout le monde. C'est parti pour la suite de FC25 sur PS5. Je vais continuer le jeu et les trophées et je vais continuer la carrière de manager. Donc je continue. Donc je vais aller jusqu'au match suivant. Allez, on joue. Il y a des matchs de foot et puis il y a ce match si particulier entre ces deux équipes. Salut à tous, quel privilège d'être à Madrid dans cette enceinte mythique, le Bernabéu. Benjamin Da Silva pour vous faire vivre ce match avec celui qui a porté les couleurs de Paris et Monaco. Oh, c'est un bon ballon ça. Et c'est au but. Quel but. Goal de Vinicius. On savait que son talent allait faire la différence. On savait que tout était possible avec lui. Et il le fait. Tu crois que ça va passer tranquille et puis t'as le but. Là où la force passe, rien ne dépasse. 1-0 donc au tableau d'affichage. Bien parti dans le dos. Et voilà. Mais quel but. Ça c'est bien ça. Voilà ce que je vais voir. C'est avec la défense qu'il faut s'ajouter. Alors on s'interrompt parce que là il y a un but marqué à l'Estadio Benito Villamarine. Oui Benjamin, c'est le premier but en faveur de Valence. Un but à zéro donc. Ah il peut frapper Kylian Mbappé. Et le gardien il est bien vigilant. Dommage. Ça va vers le point de Pedati. Et la corner qui finit directement sur le gardien. Désolé pour cette interruption un peu brutale, mais priorité au direct. Valence qui vient donc de marquer un but, 1-0, ouverture du score. Bien sûr, on a beaucoup entendu parler de Kevin De Bruyne dans cet avant-match. Après une période d'indisponibilité relativement courte, son retour était attendu avec impatience. Aujourd'hui, il revient et il est titulaire. En effet, pour retrouver la confiance et le rythme nécessaire, c'est important qu'il joue des suites. Les grands joueurs, quand ils ne sont pas blessés, il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Oh la belle intervention là, si hors de danger, qu'est-ce que c'est bien joué. Anticipation, calme, résolution. Il y avait tous les ingrédients pour sauver ce ballon. Tentative de la tête, mais ce n'est pas cadré. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Et le but. Ouh, mais ça c'est un beau but, ça c'est magnifique. Ah non, rejet. D'accord. Ouais, bon geste défensif, le ballon change de camp. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Attention Kevin De Bruyne. Maintenant il a but, voilà ce que je viens de voir. Voilà, un troisième but d'avance. Ah, le score s'aggrave un peu plus, 3-0 donc. Aris Mendez. Un ballon sur l'aile pour aller porter le danger. Ah, la différence est faite. Trop précis et ballon récupéré très haut. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Ouais, la bonne ouverture, magnifique.
Vinicius est bien placé. Et ballon rendu. Attention, ce n'est pas fini. Oh, le sauvetage. Et non, finalement, un hors-jeu signalé. Et la pression pour empêcher la relance. Bon pressing, ballon récupéré. Il va garder, il peut frapper. Oh, mais quel beau but! Et encore un, et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage. La pression était redoutable, épaisse, difficile. Mais le talon était léger. La balle est libérée. Golazo! Hop, le petit pont magnifique. Ouais, la frappe, ça part bien. Et c'est finalement sans aucun souci pour le gardien. Kylian Mbappé. Oh, il y a de l'espace, il faut en profiter. Ah, le ballon écarté de la zone dangereuse. C'est pas une équipe de football, c'est un accélérateur de particules. Tout ce qui touche leurs pieds finit dans le but. Ah, c'est pas fini, il y a encore quoi faire là apparemment. Le centre de Vinicius. Hop là, c'est dégagé mais temporairement. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Mbappé peut-être pour reprendre. En bonne position pour tirer au but. Et le but, mais qui va finalement être refusé. Il y a hors-jeu, oui. Et là, avec quelques centimètres alors, hein, parce que moi, je n'ai rien vu. Et ballon bien intercepté dans le camp adverse. Oui, bon geste défensif. Touche à suivre. Ah, dommage, ballon perdu. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Et duel remporté en défense, belle anticipation. C'est un ballon de contre à jouer. Et il faut revenir en défense sur ce contre. C'est vers Vinicius. Et c'est capté, là, sans trop de problèmes. Attention, là il y a un but qui vient d'être marqué, c'est le terrain de Gérone. Oui c'est ça, il s'agit du premier but pour l'Atlético Madrid, un but à zéro donc, alors qu'on joue ici depuis 39 minutes. Ah, merci Laure et surtout n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. Ouh, dans le dos de la défense là. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Zubeldia. Ah, le pressing paye, ballon récupéré très haut. Et le gardien était bien vigilant. Le corner. Et voilà, directement dans les mains du gardien. Pressing haut sur le terrain. Ah, ils se font subtiliser le ballon. Et oui, c'est dangereux. Une minute de temps additionnel. La bonne percée, il faut aller provoquer. Ah, le centre ne passe même pas le premier rideau. C'est le Real qui obtient le corner. Sauvetage in extremis sur la ligne. Et la barre transversale renvoie cette frappe. L'arbitre siffle la mi-temps. Le Real Madrid qui a clairement creusé l'écart. Voilà le début de la deuxième mi-temps. La bonne lecture pour stopper cette offensive.
Attention, on parle, mais pendant ce temps-là, il y a but à San Mamés. Oui, deuxième but à l'instant en faveur du FC Barcelone. Il a été inscrit par Ferran Torres sur une frappe terrible qui fait mouche. 2-0 pour l'instant, alors qu'on joue maintenant depuis 46 minutes. Assez bien noté, merci Laure, tenez-nous au courant. Un face-à-face à négocier. Oh, l'arrêt, mais c'était pas fini, attention. Et finalement, pas de danger. Paris Nigéa. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Bien vu la passe. Goal ! Et encore un but dans ce match hallucinant. C'est plus une défaite, c'est une déroute. Un match très facile. Le score est maintenant de 5-0. Il dépose l'adversaire là. Et Kubo. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Attention, là il y a un but qui vient d'être remarqué, c'est le terrain de Gérone. Oui Benjamin, c'est le deuxième but pour l'Atlético Madrid. Un but signé Rodrigo De Paul après avoir réussi à éliminer quelques adversaires. 2-0 pour l'instant après 57 minutes de jeu. Ah, il peut frapper Kylian Mbappé. Intervention réussie sur ce ballon. Le corner. Ah, le ballon capté, c'était trop sur le gardien. Ah, et le jeu sur les ailes pour progresser, c'est intéressant. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. En bonne position de Bruyne. Et la bonne parade du gardien. Allez, changement donc. Ça va vers le point de pénalty. Un ballon directement sur le gardien, mal exploité ce corner. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Il est parti dans le dos. Encore une chance. Oh là 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 là. Et encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça s'arrête plus. Ça tourne à l'humiliation cette histoire. C'est le coup des coupers. Tu crois que ça va passer tranquille? Et bim, dans le but. Là où la force passe, rien ne dépasse. Il est furieux le coach après ce nouveau but encaissé. On sent que certains vont avoir droit à une explication. Et avec ce nouveau but, ça fait 6-0, score sans appel. Lucas Lucic. Paris Nechea. Viragui. Très bonne progression, balle au pied. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Attention, on parle, mais pendant ce temps-là, il y a but à San Mamés. Oui, Benjamin, c'est le troisième but pour le FC Barcelone. Un but attribué à Robert Lewandowski. Son deuxième but dans cette partie, d'une belle volée qui trompe le gardien. Ah, la défense est battue. Encore une opportunité. Oh, la super intervention et donc ce face-à-face est manqué. C'est toujours comme ça dans un duel. Tout se joue dans la tête. Le corner de De Bruyne. Hop là, c'est dégagé mais temporairement. Le ballon change de camp. Et toutes nos excuses pour cette interruption tout à l'heure. L'info essentielle, c'est ce but du Barça à l'instant. Le score s'alourdit, ça fait maintenant 3-1. Centre vers Mbappé. Quelle action!
splendide. Elle partait très bien cette tête. Il fallait aller la chercher celle-là. Quelle magnifique parade. Oui, le ballon est intercepté. C'est bien parti. Et but, ça y est, c'est réussi, le doublé. Sa forme est éblouissante, son efficacité insolente. Deux buts marqués et ce n'est pas fini. Et un score de plus en plus déséquilibré avec ce nouveau but. Ah, le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Oh oui, le but. En deux temps, la défense s'est laissée surprendre. On le revoit. Le premier arrêt est excellent, mais c'est sur le rebond. Personne n'en a suivi dans la défense et du coup, ça retombe tranquillement sur l'adversaire. Un face à face à négocier. Et c'est au fond, quelle performance! Voilà son troisième but dans ce match! Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique! C'est cruel pour le gardien, mais la vie est cruelle. Il va falloir se mettre d'accord avec sa défense. Et on s'interrompt parce que là, il y a un but marqué à l'Estadio Benito Villamarine. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Valence. 2-0 pour l'instant, alors qu'on joue depuis 82 minutes. Ouais, merci Laure pour l'info et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Et pourquoi pas une contre-attaque là? Ah, le ballon change de propriétaire. Le bon mouvement. Attention, on fait des Valverde. Et oui, c'est dedans. Voilà le but du hat-trick. C'est fait. Formidable performance. Et quel moment inoubliable. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Faire simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ce qu'il y a de plus beau aussi. Michel Merino. Sucic. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Le ballon pour Kylian Mbappé. Oh, le ballon intéressant. Le tir est puissant, mais le 1 contre 1 est perdu. Il faut garder toute sa lucidité dans son genre de situation. C'est fini, la vitre sur la fin de cette rencontre. Le Real Madrid remporte les 3 points de la victoire. Il faut souligner la performance offensive de toute l'équipe qui a permis de remporter une victoire nette et sans bavure. Le match de Brahim Diaz, oh, ça a été franchement une dinguerie, une très grande rencontre de ça. L'esprit est un effet. Acceptez l'offre. Ok, si tu as des questions, n'hésite pas, on va continuer. Player Decision, joueur de la saison, c'est Kylian Mbappé.
Bon, à savoir. Bien joué. C'est vrai que t'as marqué beaucoup de buts. Tu l'as mérité. Tu l'as mérité. UEFA League Champions League finale. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas, reste passionné dans ce que tu fais. Fin de la vidéo.